Brian, difficile entrée dans ce championnat national 2 avec une défaite et la blessure de Bissourou Touré. Oui, effectivement, c'est pas le match qu'on aurait souhaité faire. On a été plutôt solide défensivement. Après, malheureusement, dans le jeu, on n'a pas produit ce qu'on doit produire. Je sais que le terrain n'était pas d'une excellente qualité, mais je suis persuadé qu'on est capable de faire beaucoup mieux dans ce domaine-là. Donc il va falloir rapidement qu'on progresse, qu'on puisse mettre les occasions qu'on a au fond et être plus tranchant, se créer aussi plus d'occasions parce que je pense qu'on a la capacité de faire mieux en termes de productivité et malheureusement on n'a pas su mettre notre jeu en place. Et quand on n'a pas forcément les jambes, quand on est comme ça en difficulté sur le plan offensif, il faut tenir défensivement. On a plutôt bien défendu, mais sur une seule erreur, on le paye cash. Donc c'est frustrant, mais en même temps, ça nous montre là où il faut qu'on progresse. Ça nous montre nos lacunes. Et il va falloir rapidement se mettre au niveau de ce championnat. Mais on a vu qu'on a des joueurs de qualité. On a vu qu'on peut largement être au niveau. Donc on reste confiant pour la suite. Là, on a une semaine pour se préparer. C'est encore un gros match qui nous attend contre hier. Là, à nouveau, ça va être un match difficile, comme tous les matchs de ce championnat d'ailleurs. Oui, comme tous les matchs de championnat. Quand on voit les équipes qui composent ce groupe, on sait que ce sera très difficile. Maintenant, on sera à domicile. On a un petit peu plus de repères chez nous. Donc voilà, on sait que hier est une très grosse équipe. Certainement le favori peut-être de ce championnat. Mais on a des arguments aussi à faire valoir et on va bien se préparer pour ce match-là. Là, on a une grosse pensée pour Bissourou Touré qui avait l'air vraiment de souffrir. C'est quoi? C'est une luxation de l'épaule? C'est l'épaule. Alors, à voir si c'est l'épaule, la clavicule, on ne sait pas encore. En tout cas, il est à l'hôpital et on va rapidement prendre de ses nouvelles et voir ce qu'il en est. En tout cas, c'est une grosse perte ce soir en espérant que ce ne soit pas trop grave et qu'il revienne rapidement. Merci, Brian.